C'est tout son intérêt de laisser entrer le cinéma dans l'institution, ils ont bien compris ça. Alors c'est le premier film qui s'est tourné à la fois à Bruxelles et à Strasbourg, parce que le Parlement est aux deux endroits, mais avant ça il y a la série Parlement sur France Télévisions qui a un peu essuyé les plâtres du Parlement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série, qui est une série plutôt satirique, qui n'est pas du tout liée au réel, mais enfin qui se tourne au Parlement. Et ils ont fini par comprendre au bout de trois saisons de l'intérêt de se donner à voir, et c'est une institution qui se targue d'être transparente, contrairement à l'exécutif de la commission qui est barricadé derrière sa grande muraille là, à laquelle on n'a pas du tout demandé l'autorisation de quoi que ce soit, on n'est pas rentré dans la commission. Et d'ailleurs, le film prend soin de rester un peu à l'extérieur de la commission. C'est-à-dire, on a un film un peu en... On tourne autour. On tourne autour, voilà, c'est le cas de le dire. Il y a une scène où on tourne autour. Donc nous, on est du côté... Notre point de vue, c'est les parlementaires, c'est le Parlement. L'institution nous a laissé entrer. Ça a été quand même un peu un travail de leur montrer patte blanche. Parce que c'est pas si simple quand même, cette affaire... voilà, c'est vrai, quoi. Voilà, il y a, pendant le tournage, le fameux Giovanni Kessler a été condamné par la justice belge. Ça a fait nos affaires, mais enfin, ils nous avaient déjà autorisé à tourner le film. Mais évidemment que tout ça est un peu compliqué. On aurait pu ne pas avoir l'autorisation. Et alors moi, c'est plus facile à dire maintenant, mais je ne sais pas si j'aurais fait ce film, si on aurait pu faire ce film sans l'accès au Parlement. Ça aurait été curieux quand même de reconstituer le Parlement ailleurs qu'au Parlement. Enfin, ça aurait été très dommage, si vous voulez, la scène dans l'hémicycle qui est quand même le point de mire, quoi, l'enjeu central, c'est ce qui se passe derrière le vote de cette directive. Ça aurait été quand même dommage de le faire je ne sais où ailleurs. Donc oui, on peut remercier l'institution d'avoir accepté l'idée du jeu de se laisser pénétrer par la fiction avec toute la liberté que ça implique, parce qu'ils n'ont aucun droit de regard et aucun contrôle sur le scénario, bien évidemment. Pas plus que José. Ils n'ont pas reçu le scénario avant. Si, ils ont eu le scénario, mais ils nous auraient dit de changer quelque chose, on aurait dit non, et ils ont pas vu le film fini. Ils ont eu le scénario, ils se sont penchés sur le scénario de manière collégiale, il a fallu les convaincre. C'est un film qui raconte le dysfonctionnement des institutions, mais en même temps, ce qui raconte le travail des parlementaires et le triomphe du droit dans l'hémicycle. Donc ils ont dû voir cette partie-là du film plutôt d'un bon oeil. Voilà. Et ils ont raison, je pense, de nous laisser venir faire des films. Justement pour parler des parlementaires, parce que c'est vrai, dans l'opinion publique, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des images avec toutes les affaires, avec tout ce qu'il y a. Vous, je pense que là, vous rendez hommage aux parlementaires et que c'est toujours possible de combattre. Ça, je pense que c'est dans ce but-là aussi que vous avez fait le film, parce que l'utilité est vraiment là et nécessaire. En fait, on ne mesure pas à quel point c'est important la représentation. Enfin, si, on le mesure, mais il n'y a pas assez de films, il n'y en a pas vraiment, quoi, sur ces terrains-là. Mmh. Et simplement l'incarnation en protagoniste de cinéma de personnages de parlementaires, ça ouvre un champ incroyable à l'imaginaire des spectateurs et donc des électeurs. C'est-à-dire qu'il y a un grand malentendu entre l'opinion publique et les institutions européennes. Il y a même une sorte de défiance, quoi. On ne veut pas regarder et puis on... C'est le fameux tous pourris qu'on nous resserre et qui fait bien le beurre du Front National, du Rassemblement National, enfin de l'extrême droite. Donc oui, c'est très important. Simplement ça, c'est politique en fait pour moi. De décider de raconter une enquête par des parlementaires dans les coulisses des institutions, de montrer les institutions comme elles fonctionnent. J'ai regardé là il y a deux jours les auditions des enquêtes parlementaires de Bolloré et Hanouna. En fait, on est à peu près sur ces terrains-là. Tout d'un coup, dans la commission de contrôle budgétaire qui vient chatouiller un peu le personnage de José qui vient chatouiller le menton du directeur de l'OLAF, ça raconte ça. Voilà, c'est la démocratie est un sport de combat. Voilà, c'est ça qu'on essaie. C'est vrai que ce que je rajouterais, c'est vrai que les gens, ils ont une méconnaissance totale de ce que peut être l'Europe. Et donc ça permet aussi de comprendre. Parce que si le niveau de démocratie qu'on a au niveau européen, on l'avait au niveau national, ça serait déjà singulier, quoi. C'est-à-dire qu'on a une transparence totale, la proportionnelle fait qu'il n'y a jamais de majorité au Parlement européen, et que donc on construit texte par texte des majorités, et il n'y a pas de bloc, puisqu'il faut avoir au moins 2, 3, 4 groupes pour pouvoir faire une majorité. Ça veut dire qu'il faut construire en permanence des compromis, et ça devient très intéressant, parce que ça dit autre chose de la démocratie au quotidien. On n'est pas du tout dans un modèle blanc et noir, quel qu'il soit. Une fois ça peut vous arranger, une fois c'est une catastrophe. Donc là, il faut en permanence réaffirmer. Et puis c'est pas centralisé.
Bon, déjà, on siège à deux endroits différents. Il y en a qui vont dire c'est horrible. Sauf que il n'y a pas de capitale de l'Europe. Contrairement parfois à ce que les gens croient, c'est pas Bruxelles. Hein, il y a le Parlement, c'est Strasbourg. Le Conseil, c'est Bruxelles. La justice, c'est Luxembourg. Les finances, c'est Francfort, etc., etc. Donc en fait, c'est une archipel, c'est une construction qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune confédération ou fédération, où il y a toujours un pouvoir central. L'Europe, il n'y a pas de pouvoir central. C'est quand même très singulier, quoi. Et donc c'est une institution qui est en fait un laboratoire qui avance au fur et à mesure et qui n'est pas figé. Il y a eu des conquêtes qui ont été faites au Parlement européen. Au début, le Parlement était nommé en prenant des parlementaires de chaque pays. Après, ils ont été élus. Et puis maintenant, la prochaine bataille, c'est de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes proposer des textes. Parce que là, c'est que l'exécutif qui propose des textes. Un peu comme en France. Hein. Mmh. Et donc là, la conquête, ça sera le jour où le Parlement va pouvoir faire ses propres propositions de textes. Et puis c'est le seul Parlement où il y a une commission, comme l'agriculture, le transport ou autre, qui est là que pour recevoir les gens, pour gérer les conflits qui existent entre leur propre pays et les lois européennes. C'est comme ça que c'est grâce à cette commission qui s'appelle la commission des pétitions. C'est gratuit, n'importe qui peut la saisir. C'est comme ça qu'on a planté Notre-Dame-des-Landes sur un texte européen non appliqué par la France. Sur une histoire de code de l'expropriation, où quand il y a plusieurs choses qui se font en parallèle, il faut l'avoir globalement comme impact sur l'environnement et pas un rond-point, puis une piste, puis ceci et cela. Et ça, c'est la commission des pétitions. On n'a pas ça en France. Une structure où des parlementaires disent ensuite, les textes ne sont pas appliqués, et la commission ensuite va vers le pays en disant, vous n'avez pas appliqué le droit. Maintenant, vous appliquez le droit tel qu'il doit être. C'est singulier quand même. Et comme ça, on peut multiplier les exemples. Mais c'est... Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Sauf que ça bouscule quand même et ça déplaît fortement aux États. Donc le Sénat, qui s'appelle le Conseil au niveau européen, parce que c'est la même chose, hein, Conseil et Sénat, il faut que vous pensiez que c'est la même chose, quoi. C'est toujours ceux qui sont un peu plus les plus réacs, quoi. Et souvent, ce sont les États qui bloquent. Très souvent, ce sont les États qui bloquent et qui font valoir soit un droit de minorité comme Orban, soit plusieurs pays qui sont dans une certaine logique et qui supportent pas. Et qui, évidemment, une fois qu'un texte s'impose, sont les premiers à dire que c'est la faute de Bruxelles. Comme pour la PAC actuellement, que tout le monde veut redétricoter. Mais ce sont les États qui demandent ça. C'est très singulier, quoi. C'est une question un peu moins sérieuse.